Oh ta gueule! Ah ben voilà. Hé, hey, Antonin. Quoi, Biscotte? Tu devineras jamais ce que j'ai appris aujourd'hui. Mais alors jamais. Sûrement. Non mais je te jure, tu vas pas me croire. Je te crois. Oh, ce que t'es drôle, toi, alors. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, Lamartine m'appelle complètement affolée parce que son chat avait disparu. Eh ben, tu me croiras si tu veux, mais le fils Crémieux... Tu sais, le fils Crémieux. Le fils Crémieux, le voisin d'Isabelle, en face de la pharmacie Maugier. Oui, le fils Crémieux, je sais. La pharmacie Maugier, dont la caissière brune s'est fait envoyer en l'air par le fils du pâtissier de la rue Saint-Barthélemy. Je sais. Là, je lis, là. Lis comme littérature. Eh bien, le fils Maugier, qui en pince pour Martine, oh là, si tu savais. Eh bien, il lui en a acheté un autre. Un autre? Bah oui, un autre. Un autre quoi? Un autre chat. Oh. Non, mais suis un peu, voyons. C'est gentil. Non mais c'est pas pour dire du mal, Antonin, mais des fois tu es un peu ailleurs, comme un bananier dans un champ de potiron. Gentil. Et le chat, c'est un angora. Il est trop mignon, si tu savais, un vrai petit amour. Et la Martine, tu sais pas ce qu'elle a fait? Non mais tu sais pas ce qu'elle a fait? Non. Elle l'a foutu à la porte. Le chat? Mais non, pas le chat, le fils Crémieux, bien sûr. Pas plus tard que ce matin, il se fait tout beau, bien coiffé, bien habillé, propre, impeccable. Il frappe à la porte, se fait ouvrir, sourit comme un grenier, rougit, balbutie 2 ou 3 syllabes, donne le chat à Martine et s'enfuit en courant. Oh, le pauvre chou. Mais enfin, tu vois, j'appelle pas ça mettre à la porte, Biscotte. Mais si, non mais parce qu'en fait... Il était rentré, mais la Martine, tellement qu'elle était frigide, ça l'a fait fuir. C'est sa froideur qui l'a mise à la porte. Oh. Enfin bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Non, évidemment. Tu sais, vraiment, Antonin, tu m'inquiètes. Des fois, t'es vraiment comme une pomme de terre sautée dans une salade piémontaise. Ouais. Et le chat? Ah, mais le chat, je sais pas. Il faudrait que je demande à Martine. Bah, tant mieux, fais donc. Le téléphone est là-bas. Mais enfin, bon, tout ce que je sais, c'est que vers 14h30, d'après ce qu'a dit la fille de la poissonnière à Monsieur Dumas, Martine se serait rendue au marché pour acheter du thon. C'était peut-être pour le chat. Ouais. Non, parce que je sais de source sûre que Martine n'est pas très thon, alors c'était forcément pour le chat. C'est certain. Ou alors elle a invité Sylvia à dîner. Non, parce que ça, Sylvia, c'est de notoriété publique. Elle adore le thon. Possible. Ou c'est Ginette? Attends, je me souviens plus. C'est Ginette ou c'est Sylvia qui adore le thon? Miaou. Oh non, mais arrête! C'est une question sérieuse. Imagine qu'on invite Sylvia à dîner, qu'en fait, c'est Martine qui aime le thon. Et ben, on aura l'air malin si on ne sait pas. Ou alors, si on invite Ginette à dîner et que finalement on se rende compte que c'est Sylvia qui adore le thon, j'aurai l'air de quoi, moi? Biscotte. Eh ben, invite les deux ou achète du hareng. Ça changera, t'es. Ah, mais tu sais que c'est une bonne idée. Parce que le changement, c'est une bonne chose. C'est ce que je dis toujours à mes copines qui se font larguer. Va chez le coiffeur. Soit. Et le chat? Quel chat?